recruté un grand chef à la Société Générale d'Alimentation. Une femme voulait que je meure pour qu'elle me remplace. To replace me. Elle m'avait empoisonné. She poisoned me. Oh, quel bonheur. What a joy. Il fallait que cette femme fasse cela. Woman had to do that. Je la cherche. I'm looking for her. Pour lui donner au moins 5000 dollars. So I can give her at least $5,000. Le ciel n'est pas loin de vous. Heaven is not far from you. Ça c'est plus loin. This is further. C'est comme là où c'est double rideau. It's like where that drape is. J'ai vu mon corps couché là. I saw my body laying down there. Et je suis sorti de mon corps. I came out of my body. Je dis, oh, je suis mort. I said, I'm dead. Il y avait une puissance. There was a power. Qui m'a mené vers le ciel. That brought me up to heaven. Et je suis arrivé au ciel. I went up to heaven. Vous verrez Jésus un jour. You'll see Jesus one day. Là-bas, il y a que la joie. There's only joy over there. Il y a que la paix. There's only peace. Chaque fois que Jésus revenait, il disait, every time that Jesus came back, he said, que la paix soit avec vous. Peace be unto you. Dans un monde, that was in the world où il y avait la paix, where there was peace. J'ai vu les femmes venir, see women come, habillées en robe blanche qui marchaient sans toucher le sol, dressed in white robe, walk without touching the ground. Ils m'ont dit, Pasteur Baruti, c'est Pasteur Baruti, à cause de toi que nous sommes arrivés. We're here because of you. La vie est belle, Boye. There's so many. Il dit, c'est ton évangile. So it's your gospel. Je vis les hommes venir. The men come. Vers ma gauche. Towards my left. Habillé en robe blanche. Dressed in white robes, or walking. Sans toucher le sol. Without touching the ground. Car il faut du temps, vous êtes à la fin. The crossroad of time, you're at the end. Je dis, vous aussi, c'est moi. You also is vous me. Avez apporté la parole. That brought you the word and said yes. Des milliers et des milliers de personnes. Thousands and thousands of people. Je n'avais même pas encore 40 ans. I was not even 40 years old. I was about 30, I believe. Oh, Jésus. Oh, Jesus. Là-bas, on ne pleure pas. We don't cry over there. Là-bas, il y a que l'amour. There's only love. Là-bas, il y a que la paix. There's only peace up there. Et ils m'ont dit, tu es né chef. He told me you were born to be a boss. Assieds-toi sur cette chaise-là. Sit down on this chair over here. Throne, it said for me. Yes. Je suis allé m'asseoir. But I sat down on it. On dit, tu es né chef. So you're born a boss. Je me suis assis sur une chaise qui me convenait parfaitement bien. I sat on a seat that fit me perfectly well. Ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Don't take somebody else's place. Ça ne marchera pas. It will not work. Moi, je ne peux pas prendre la place du pasteur. Can I take the place of the pastor? Papy, Lusala, impossible. Lusala, it's impossible. Prends ta place à toi. Take your place. La chaise me convenait bien. The chair fit me well. Si. Oh, Isaïe.
sous l'onction. Under the anointing. Ne manquez pas le ciel. Don't miss heaven. Ils m'ont dit assieds-toi. Tell me sit down. Je me suis assis. When I sat. Ils m'ont honoré. Tu es né chef. I said you're born of head. Ah. Tu dois retourner sur la terre. You must come back down on earth. Tu dois prêcher dans le monde entier. Let's preach in the entire world. Je dis non. I said no. Je dis non. I said no. J'attends une couronne. I'm awaiting your crown. Personne ne peut te déplacer. No one can remove you. Il m'a projeté sur la terre, ce Dieu du ciel. Projected me on earth. Je suis redevenu un homme sur la terre. He became a man back down on earth. J'ai été partout. I've been everywhere. Nous sommes à Dallas. We're in Dallas. Qui était à cette époque quand on avait commencé cette église? Was at the time when we started this church. Raise your hand. J'avais fait une veillée. I had a wake. Je suis un démocrate. I'm a Democrat. Vous voulez qu'on commence une... Tu étais là. You want us to chart? Vous voulez qu'on commence une église ici? Want us to start a church here? Yes. J'étais à Kasongo, Chikapa. Je viens d'où maintenant? Where do I come from? À l'est là-bas. To the east. Hein? Kisangani. Kisangani. J'ai été partout. I've been everywhere. Je cherchais pas des grandes villes. I didn't see big cities. I was in villages. Qui a déjà vu la photo où je suis dans un village? The picture where I'm in a village. La photo. I took the picture. Et la main de Dieu était derrière. And the hand of God was in the back. Below us. Je voudrais vraiment qu'on vous envoie ça ici. I wish we had this here. J'étais au Bakongo. I was in Bakongo. Dans des petits villages. In the little villages. In the equator. Dans des petits villages. In the little villages. Dans le monde entier. The entire world. Ah bon, ici c'est Dallas, c'est grand. Here Dallas is big. Je remercie Dieu. I thank God. Pour ce beau pays. For such a beautiful country. C'est moi aussi qui avait commencé à Charlotte. I also started in Charlotte. On a veillé comme on avait fait ici. We had a way. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on commence une église? For us to start a church. Après la veillée. After all night. Prayer and say yes. Bien-aimé, beloved, nous sommes à la fin. We're at the end. Nous sommes là pour vous montrer que we're here to show you that we're at the end. Bientôt j'aurai 80 ans. Soon I'll be 80 years 76, old. Hein? I'm 76. Dans 4 ans j'aurai 80. In 4 years I'll be 80. Mes frères, tous mes frères sont morts. Il y a un seul qui est paralysé. All my brothers are dead. I just have one that's paralyzed. Maman Pasteur. Oui, ben, qui t'attendait, qui n'est pas. Albert. Pembe le roi Mundele. You know, Albert, he was light-skinned. Même, oui, à confinante, il y a des règles. Même José. Even José. Mon grand frère. My older brother. Pembe le roi Mundele. Very light skinned. Our guys may be dark. Parce que nous, nous sommes au Kasai. Because we're in Kasai. Qui t'engue? Maman Faux. Nazare qui t'engue la famille n'engate. Don't have to t'engue my family. Many have died. Je suis là. But I'm here. Pour vous. For you. Je remercie Dieu. I
thank God. Où est mon pasteur? Where's my pastor? It was extraordinary. Félicitations. Congratulations. Because you can't remain alone. Je l'ai formé. I trained them. C'est vrai? Is that true? Papy, je t'avais formé. It's true, I trained you. J'ai formé à tapis. I trained at tapis. This is not how you preach. Don't look for complicated words. Preach something that when people leave, let them preach this. If it's too complicated, they'll go home with nothing. Même chez moi, even at home, j'ai formé tout le monde. I trained everyone. Je les aime. Tous les pasteurs associés, all the associate pastors. If I'm not there, who continue? Non, c'était merveilleux. That was wonderful. Merveilleux. Wonderful. Merveilleux n'est pas le mot. Wonderful is not the word. C'était extraordinaire. It was extraordinary. C'est vrai? Is it true? Si c'est vrai, dites amen. If it's true, say amen. Si c'est vrai, acclamez très fort. Give a round of applause. Si c'est vrai, amen de frère Toto. God, Heavenly Father, il trouvera une meilleure place, certainement. Lord, I find a better place, certainly. Tu es Dieu. You're God. Ce sont tes enfants, les aigles de Dallas. These are your children, the eagles of Dallas. Ils t'appartiennent. They belong to you. Ne leur cherchez une très bonne place. You find a very beautiful place. Tout ce que le diable fait, il va échouer. Everything the devil does is going to fail. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée. Because the word of God must be preached. Ici à Dallas. Here in Dallas. Soutiens notre pasteur, papi. Support our pastor, papi. Bénis-le, Seigneur. Bless him, Lord. Il fait un grand travail. He's doing a great job. Que tu le bénisses. And you bless him. Que tu bénisses Papa Landou. You bless Papa Landou. Mama Landou, ma grande sœur. My older sister. Que tu bénisses toute sa famille. Bless your whole family. Et que tu bénisses sa chère épouse. You bless her dear wife. Maman Lydia. Maman Lydia. Sois béni. Be blessed. Et que tu bénisses cette église, Seigneur. You bless this church, Lord. Partout où ils iront. Everything they'll, everywhere they'll go. Que cette église soit la lumière de Dallas. Let this church be the light of Dallas. Que cette église soit la lumière de Dallas. Let this church be the light of Dallas. Pour amener beaucoup d'âmes à toi. To bring many souls unto you. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Thank you Lord. À toi la gloire. To you be the glory. À toi l'honneur. To you be the honor. Au siècle des siècles. Forever and ever. J'ai ainsi prié. Let us pray. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen.
Alléluia. Au revoir à Dieu. Je leur ai dit encore. I've always said, never say it again. La personne qui m'a formé. The person that trained me. C'est le pasteur Baruti. It's Pastor Baruti. Je l'ai dit la fois passée ici. I said it last time here. Il me réveille un matin. He wakes me in the morning. Dimanche passé, je l'ai dit. I said it last Sunday. Il me dit. He tells me. Agenouille-toi là. Kneel down here. Je me suis dit mais quoi ça génial ils se sont nés ils se sont Il me pose les mains et dit, for what, il commence à prier, Seigneur. He's on a hand that says, Lord, tu viens de me dire qu'il est ton serviteur. Just told me that he was your servant. Je dois les consacrer dans le ministère. I was consecrated in the ministry. Je ne prêchais pas. And I was not preaching. Enfin, je ne prêchais pas. But I was not preaching. Mais comment il va dire que so how's he gonna say, consacrer dans le ministère avant que je commence à prêcher? Before I even preach. C'était quelque chose d'étonnant. It was something surprising. Mais Dieu lui avait dit ça. But God told him that. Dit je vais te former. So I'm going to train you. Avant que je commence à prêcher. Before I started preaching. Tu vois comment tu dois te tenir devant les gens. You see how you need to stand before people. Je lis la Bible. Non, on ne lit pas comme ça. I read the Bible. No, we don't read like this. On ne lit pas comme ça. We don't read like this. Quand tu lis, tu dois tu vois vraiment accentuer tes mots. But you must really accentuate your words. And you must understand what you're saying. Prépare une prédication, prêche-moi. Prepare a sermon and preach. Je n'avais pas encore commencé à prêcher. Je dois le prêcher à la maison. I hadn't started preaching. I must preach to him at home. J'ai tout ça enregistré jusqu'à aujourd'hui dans mon recorder. I have it all recorded till today. Il me forme mot à mot. And he formed me. Voilà comment tu dois te tenir. Train me word by word. Decide tu dois regarder les gens. You must look to people. Donc c'est la formation que j'ai reçue. So it's a formation I received. Je le prêche lui. And I preach to him. Me dit, prépare la même prédication tu nous prêches à la maison. He said, prepare the same sermon you're preaching to us at home. Je vous ai fait rire ce jour-là. I made you laugh that day. Lui-même me cote 7 sur 10. He gives me 7 out of 10. Maman Fo me donne 8 sur 10. My mom for 8 out of 10. Maman Lydia dit, la pêche yo 6. I give you 6. Regarde la ligue la vie. Oh! Mais yo kouto za motéité. I said, you're not even a preacher. Pasteur, the pastor gave me a 7, you give me a 6. Oh, you did me Brother Branham a lot. Oh no, je vous dis. Now I'm telling you. Le pasteur me dit. Mais tu ne trouves pas que soko sangi si nyonso. You see that if we add everything. On tombera na onga na pesio. Il dit comment? Je t'ai donné 7. I give you 7. Maman faut t'a donné 8, Maman, ça fait 15. 8, that's 15. Elle t'a donné 6, ça fait 21. 6, that's 21. Divisé par 3. Divided by ça 3. Ça fait 7 sur 10. That's 7 out of 10. Donc tu tombes à ce que moi je t'ai donné. So you follow what I gave you. Ah, donc aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu. Today we preach the word of God. Je dis encore une fois merci. And I say again thank you. Nous prêchons selon la formation qu'on a reçue. We preach according to the training we received. Que Dieu le bénisse. God bless you. Nous sommes fiers. We are very proud. Le dimanche prochain, next Sunday, donc je crois qu'il va prier pour Papa Lando et Mama Lando pour leur anniversaire. I believe he'll pray for Papa Lando and Mama Lando for their birthday. Ils vont totaliser 60 ans de mariage. I have 60 years of marriage. 60 ans de mariage. 60 years of marriage. Le 25. On the 25th. Alors maman m'avait dit que on veut vraiment que le pasteur prie pour nous. On said truly wants the pastor to pray for us. Je crois que le dimanche prochain. I believe the next Sunday. Il va prier pour eux, il va prêcher aussi lui-même. Yeah, to pray and he'll preach himself according to what he'd be led to do. Mais s'il vous plaît, les techniciens.